Parfois, le journal filmé sort du web pour être projeté en public comme au cinéma. Il l'a été pour la première fois le jeudi 12 avril 2018 au Sable d'Olonne, à l'invitation de Pierre et Dominique Laudigeois de l'association Petite Lanterne. Filmer, chercher les points de vue, filmer ce qui est visible, filmer ce qui nous échappe, le mouvement de la lumière sur l'étendue de l'eau, la trace, le basculement du paysage, la décomposition des corps qui se déplacent dans la lumière. Tourner, on dit toujours que ça tourne. Tourner des images autour du lieu, autour du lac. Tourner autour du lieu, autour du lac. Filmer. Chercher les points de vue. Filmer ce qui est visible. Filmer. Filmer ce qui nous échappe. Parce que l'écran est bien placé. Ça m'énerve parce qu'il continue d'être de travers. Je comprends pas. Le bas et tout. La direction de l'hôtel Arc-en-Ciel, qui n'est pas là, mais je remercie quand même. Et puis je remercie le soleil. Quoi que je me sens, ce serait pas un jour de soleil. Ça fait 3 mois qu'on l'attend et paf. Mais c'est très loin. Pourquoi pas. Bon, on a regardé, c'est quand même visible. Ça va, tout le monde m'entend, mais il y a besoin d'un micro. Non, c'est rare, parce qu'on chercher les points de vue, filmer ce qui est visible, filmer, filmer ce qui nous échappe. Ainsi projeté dans une salle, le journal filmé semble prendre une autre dimension. Chaque épisode devient une séquence d'un film à géométrie variable, qui peut être recomposé à l'infini par seul effet de juxtaposition d'épisodes, parfois éloignés l'un de l'autre dans le temps. Erika Fulop écrivait dans un commentaire sur Facebook le 28 mars 2018. Voilà que la chose sort de l'écran individuel et entre dans l'espace de la vie réelle, pour que celle-ci puisse re-entrer ensuite dans nos écrans.
et ainsi de suite.